Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette vidéo du dimanche. Voilà, aujourd'hui nous sommes donc, on l'enregistre ce samedi, je pars tout à l'heure pour Thésée, marcher vers Thésée avec un groupe de jeunes que je voudrais confier à votre prière. Il s'agit des jeunes qui seront confirmés donc ce dimanche à Thésée pour les rencontres de Thésée que l'évêque a voulu cette année avec la célébration des baptêmes et des confirmations qui n'ont pas pu avoir lieu au moment de Pâques et de la Pentecôte. Il y aura donc 10 adultes baptisés demain après-midi, 20 adultes confirmés et une soixantaine de jeunes confirmés qui sont accompagnés de leurs amis cet après-midi. Voilà, je voudrais tout simplement vous les confier à votre prière. Parmi eux, il y a une jeune du Creusot, il y a aussi un jeune père de famille qui sera confirmé demain. Ils seront tous les deux confirmés demain. Ces baptêmes, ces confirmations auront lieu le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise. Et c'est pour cela que notre évêque a souhaité que ces rencontres à Thésée soient demain matin avec un temps de réflexion plus diocésain pour ceux qui y seront, avec le texte, l'encyclique du pape Laudato Si et la figure de Saint François d'Assise, pour voir que en fait, nous avons toujours à réfléchir et à mettre plus en œuvre ce texte du pape où il nous invite à prendre soin ensemble de notre maison commune, de la création de notre environnement. Vous le savez, lorsqu'on dit environnement, on pense tout de suite à la nature, à la vigne, voilà, tout ce qui nous entoure au plan naturel, mais il est aussi à considérer que notre environnement, c'est l'ensemble de ce qui nous environne, et donc nos proches en font partie. Ils sont dans cette maison commune, ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches ou moins proches d'ailleurs. Nous avons donc à prendre soin les uns des autres, prendre soin de notre environnement, prendre soin de tout cela parce que tout est lié dans ce qui a été créé par le Père. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à bientôt.